Non, ça va, j'ai pas éternué. Précédemment dans The Big Game of Ski. Précédemment dans The Beast Inside. Va chercher. Mounette, bouge pas. Va chercher la croquette. Elle était pour qui la croquette? Oh oui, c'est une grosse croquette. Allez, enjoy. Ich. Bisous, 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 bisous. Allez, je me débat, je me débat. Non, mais prends des pastilles dans ma poche, j'ai des pastilles à la menthe. Dark. Ah bah oui, c'est ça, vous voyez ce qui se passe quand on traîne dans des marais humides comme ça? Bah, j'ai chopé froid, ça a pas raté. Donc aujourd'hui, on retourne dans The Beast Inside pour un nouvel épisode, laissez-moi compter. 17e. 17e épisode. Bah oui, je me suis appliqué quand même à vous faire des séquences pas trop longues. Et ça justifie la quantité, puisque au lieu de vous faire des streams de 1 heure, je me suis quand même appliqué à essayer de tenir les 20-30 minutes, à deux exceptions près. Et du coup, bah oui, va y en avoir une tripotée des épisodes. Allez, on file dedans. Et nous revoilà donc dans ce merveilleux maudit marais magnifique à la recherche de Maria. Ah Maria, Maria, elle nous fait du souci, hein, parce que... Pff, comment vous dire? Il faudrait que je passe quelque part. Je sais même pas où. Hein, je vais être honnête. Peut-être pas là, je crois. Et le problème étant que quand je m'aventure dans l'eau, je vais vous faire voir. Au cas où vous n'auriez pas vu le stream précédent. Piti 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 pou 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 tu pou pou. Elle y va la gourmande. Elle y va la gourmande peu chère. Donc oui, ça c'est apparemment le fantôme de Maria qui est sous l'eau et qui aime beaucoup beaucoup me faire du bouche à bouche. Mais étant donné son âge et son état de décomposition, c'est un truc que j'aime pas trop quoi. Donc l'idée ça serait que j'arrive à me glisser dans ce... Dans cet endroit, le souci étant que j'ai pas pigé la manip à faire, puisque quand je jette le caillou, j'ai le temps de me faire attraper et il y en a deux de créatures apparemment, donc ça va être vraiment le bordel. Et en plus, cette crémaillère a la très très mauvaise idée de... Vous allez voir, elle redescend, oui. Comment ça, je m'auto-spoil? Ah merde. Ah, c'est pas... C'est bon à savoir ça. Je peux déjà l'entrouvrir. Ok. Alors je vais pas la déclencher à fond. Je vais balancer une caillasse. Ouais. Vous saisissez l'idée? Hop là. Et là, on y va. Et là, je fonce. Ah bah tu vois c'était pas si compliqué mon coco. Mais c'était quand même une grosse frayeur. Et puis il y a du monde là, regardez-moi ça. 1, 2, 3. Ah, ça a l'air tellement stable par ici, regardez. Oh le bonheur en barre. Il ne vient jamais seul. Oh non. Non! Petit pas, petit pas, petit pas.
Pour dose au lieu du calme, zen, t'affole pas, cours lentement. Je sais pas ce qui va se passer là-dessous, mais ça va pas être terrible. Terrible, de toute façon, faut y aller. Hein. Plotch. Et le saut de la foi, bien entendu, pour terminer. Boucher les bestioles. Mon Dieu, mais c'est le parcours du combattant pour y arriver aujourd'hui. Alors, quelle est la blague suivante? Bah, il faut que t'atterrisses sur ce toit, mon ami. Ah bah, on y va. Comme ça, allez. J'avais prévenu, moi, j'avais prévenu, personne m'écoute. Ah, je vais où? Ah, l'escalier, l'escalier, l'escalier. Oh, putain. Méchante, les bébêtes, méchante. Oh la vache. Oui, il y a eu un petit coup de frayeur sur le final parce que c'était pas prévu que ça s'achève comme ça. Et je vais où du coup, moi, man? Mon Dieu, quel bordel. Ici? Ouais. Ouais. C'est pas un petit passage avec un petit bonus, des fois? Non, rien. Ok. Tu es vite lourd, mon garçon. Youhou! Coucher les bestioles. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme blague par ici? Oui, tu as beaucoup scintillé, toi tu m'as fait peur. Devrait y avoir des trucs là-dedans. Logicamente. Trouver la manivelle et abaisser le pont. J'espère que cette manivelle n'est pas planquée à 10 000 km. Sinon je serais très 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 contrarié. Oui. Je suis totalement d'accord. Donc ça je peux pas passer tant que j'ai pas baissé ce pont. Il y a une manivelle dans le coin, faut que je la trouve, faut que je la voie, faut que je la voie, faut que je la trouve. Inéluctablement. Et à chaque fois que je vais dans la flotte, ça excite nos amis. Oui, avec de la lumière, on y voit beaucoup mieux. C'est une vieille légende, mais je confirme que ça fonctionne pas mal. Where is the manivelle? Where is manivelle? Where is manivelle? Chaud, chaud bouillant. Chaud comme une baraque à frites. Chaud comme une brésilienne le soir du 14 juillet au bois de Boulogne. C'était peut-être pas une super référence. J'ai pas très très envie de descendre là-bas dessous, hein, les gars. Bah oui, vous savez très vite très bien ce qui se passe quand je me remets au niveau de la flotte et il y a de la flotte. Non, oui. Sans doute. De la guêde ou en tout cas. Allez, gloops. Vos gueules, les bestioles. Oh non, va falloir sauter de truc en truc. Je suis pas très d'accord. Non. Non, je ne veux pas. Oh purée, ah oui, je l'ai ma manivelle. Il faut que je remonte maintenant. Now I can lower the bridge. Sure. Allez, on va jouer à un jeu de plateforme. Tu es très fort, monsieur K. Oui. Non, non. Non, dans tes rêves. Ça va, j'ai rien. Elle m'a juste rogné un petit peu le soulier. Alors j'ai tendance à appuyer sur le stick gauche qui me met accroupi et du coup ça fait de la merde. Tant qu'il n'y a pas de boîte qui s'écroule, ça va. Vous avez vu ça comme je suis doué pour les jeux de plateforme quand même. Tais-toi, sale bestiole. J'ai pas besoin de ce light en fait. Et me revoilà. Parfait. Allons maniveler. Avant qu'un nouveau drame arrive. Non, sérieux? T'as tes réflexions, bonhomme? Allez, squeak.
séquence moulin à café. Il y a un sale bruit ce pont. Traverser la marée pour la zone de la maison de Maria. Et je viens de le faire, man. Je viens totalement de le faire. Et le pont se redresse. Si je dois faire tout le circuit à nouveau, franchement, je tue quelqu'un. Non, non, je le dis, je le pense. Casse-toi la gueule de là, on va pas rigoler. Oh non. It's enough, man. Du sang pour nous rassurer en plus. Ok. Regardez comme ça a l'air accueillant. Oui, je fonce maintenant. C'est mon nouveau but dans la vie. Il faut que j'aille juste de l'autre côté, mais il va se passer quelque chose. Mais il va y avoir un truc pas cool. Comme une cinématique. Ça va s'écrouler. Oh putain. Improvise. Improvise vite. Improvise mieux. Improvise plus gentiment. Hop là. Couchez la bestiole. Couchez. Je vais où? Je sais pas. Mais en tout cas, j'y vais. Là-bas. Non, non, ça passe. Ça passe bien. Ça passe parfaitement. Aïe. J'ai un peu senti celui-là quand même. Crémaillure. On enchaîne. C'est pas le moment de se relâcher. Ça baise. Oh la grosse bébête, elle est pour toi. Elle va être pour toi. Cette caméra qui... C'est ce pivot qui met 10 secondes. It is dramatoque. It is dramatique. Oi. Je ne sais pas ce que j'ai derrière moi comme distance qui me sépare de la bestiole, mais ça va être chaud. Je vais y aller là. Fonce. Yatta. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Viens sur Terre. Viens sur Terre si tu es une vraie entité maléfique, quoi. Comment ça, c'est pas fini, il en reste un peu. Non, non, je n'irai plus jamais de ma vie dans la flotte. Bon, un petit peu, mais pas beaucoup. Et j'ai pris froid, quoi. C'est dramatique. Donc ma recommandation, si on vous invite dans une baraque, dans des marais, n'y allez pas. C'est pas la saison, c'est pas le moment. Y a rien de glamour. En plus, la flotte est parfaitement dégueulasse. Bonus pour Bibi, non? De toute façon, ça doit être un cul-de-sac par là-bas, je présume. Quoique, ça n'empêche pas d'acheter un œil. Alors, je rappelle que je suis spécialiste d'une nouvelle technique dans le gaming, qui est se coincer dans le décor et faire l'amour avec. Les gens qui n'ont pas suivi les streams précédents, je recommande le 7 et le 11, je crois. Non, le 4 et le 11. Où je donne de moi totalement. À des moments où je suis complètement incrusté dans le décor et je peux pas m'en dépêtrer. J'espère que ça va pas me re-arriver ici. Bonjour. Je viens voir Maria. Il faut pas partir comme ça.
Maria, Maria, Maria. Où c'est que tout est caché, ma grande? Pourquoi ça clignote là-bas? C'est juste un reflet, non, c'est un long parler. Hop là. Où c'est qu'il va m'emmener encore? Parce que niveau blague, je sens qu'on n'a pas notre quota là. Je vérifie bien, parce que j'ai pas envie de nager gratuitement pour le plaisir, car je n'y éprouve aucun plaisir, soyons très clairs. Est-ce que j'ai encore de mes amis les ploufis? On va les appeler comme ça, les ploufis. Non, il n'y a plus de ploufis. Ok. Si vous me demandez de refaire mon chemin pour retrouver d'où je viens là-dedans, j'en suis parfaitement incapable. Bonjour. Alors, t'as dû faire peur à mes viewers, mais alors moi. Attends, je prends mon pouls. 27, comme d'hab. Non, parce que, non, ça marche pas. Hein. Petite recharge. Bah, tu les mets un petit peu tout le temps au même endroit, tes recharges. Je vais finir, je vais en avoir 200. Gauche ou droite? Droite ou gauche? Gauche, droite, droite, gauche. Gauche, je préfère gauche, moi, un perso. Pourquoi je demande d'ailleurs? Oui, je farfouille un peu tout, parce que je suis un sale curieux. Ça s'ouvre pas, ça, bien entendu. Bah oui, ça s'ouvre pas. Qu'est-ce que tu crois, toi? Non mais je reviens à la maison. Alors, vu que vous avez vu les épisodes précédents, normalement, je peux spoiler, hein, je pense qu'elle parle de moi. Parce que j'ai un petit peu des tendances péter du casque, apparemment, vu une enfance relativement pénible. Someone nailed Maria's dog here to scare her? I just hope she herself is alive. Ah, les gens sont méchants de nos jours. Je fais mon tour du proprio, tranquillou. Ça va aller, Maria, je suis là, regarde. Qu'est-ce que les sensibles? Je continue mon tour de proprio, hein. Je voudrais pas avoir une surprise à interpréter à la dernière seconde, alors que j'en aurais pas le temps. J'ai une issue par ici, yippie. Par là même, yippie-kaï. Donc on va aller inspecter cette tombe, chose que tout humain normal ferait. Et il y a que dalle. C'est moche. Alors, est-ce que je vais m'aventurer je ne sais pas où? J'ai pas trop envie. Hein. J'espère que ça s'ouvre pas, ça. Le mec courageux mais pas téméraire. Pas exagéré non plus. Ok. Ouais. Tout me guide à aller à suivre le chemin principal hein, sans trop me casser la tête. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne l'ai pas épluché jusqu'au bout ce jeu.